Les mémoires du prince Harry, le suppléant, Spare, sortent ce 10 janvier 2023. Il y parle notamment de sa belle-mère, Camilla Parker Bowles. Selon ses proches, la reine consort a déjà réagi aux déclarations du prince Harry. Les mémoires du prince Harry, le suppléant, Spare, sortent ce 10 janvier 2023 partout dans le monde et ce récit de la vie du père de famille de 38 ans promet de continuer à secouer une famille royale déjà dans la tourmente. Lors des interviews promotionnelles de son livre, notamment sur la chaîne britannique ITV et sur la chaîne américaine CBS, le prince Harry a parlé de sa belle-mère, Camilla, alors qu'il s'agissait d'une des limites à ne pas franchir pour son père le roi Charles III. Selon ses propos, le prince Harry considère la femme de son père comme une femme dangereuse, notamment à cause de ses relations avec la presse britannique. Selon Vanity Fair, des proches de la reine consort ont expliqué que cette dernière a simplement été stupéfaite par toute cette histoire. Celle que le prince Harry estime dangereuse et qui aurait été à l'origine de nombreuses histoires divulguées dans les tabloïds britanniques a tout de même eu le mérite de rendre le roi Charles III heureux, ce que le prince Harry et son frère le prince William admettent volontiers. Toujours est-il que la bataille fait rage et que la publication des mémoires du prince Harry ne va rien arranger. Selon des sources proches de la famille royale citées par Vanity Fair, Harry est sur une voie autodestructrice. La défunte reine Elisabeth II aurait été dévastée par tout ce qui est en train de se produire au sein de la monarchie britannique. Prince Harry, j'ai toujours aimé mon frère malgré tout ce qui s'est dit et tout ce qu'il reste encore à dire sur la famille royale, le prince Harry reste optimiste et, comme il l'a expliqué lors de ses interviews promotionnelles, espère toujours une réconciliation avec le reste de sa famille. J'ai toujours aimé mon frère. J'espère qu'on pourra un jour avoir une discussion constructive. Dans ses mémoires, le père d'Archie et Lilibet avoue cependant que son frère pense désormais que la thérapie lui a lavé le cerveau, bien que comme il l'a expliqué au journaliste qu'il a interviewé, Harry se sente plus heureux qu'il ne l'ait jamais été. Du côté de la famille royale, aucune déclaration officielle n'a été faite concernant les fameux mémoires.